Salut, c'est Shunchi et on se retrouve chez Gaara et Shepard pour un petit épisode de prank. Ils sont pas connectés actuellement, ils ne sont pas sur le Discord et je les troll. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans le dernier épisode que j'ai tourné, l'épisode 11 en tout cas, j'avais crafté un mini-me. Un mini-me, un spawner de mini-me. Et du coup, ben, des mini-me, ils vont en avoir des mini-me. Plein de mini-me chez eux. Ah, j'y peux rien, mais c'est comme ça. Quand je teste quelque chose, il faut forcément que je m'amuse. Du coup, on va essayer de faire plein de petits trucs bien rigolos. En tout cas, qui m'amusent moi. Tant pis si ça vous amuse un peu moins. Tac, ça va faire spawner des mini-me, ça normalement. Bon, on va même être en toujours always active. Et donc, ils vont spawn, se balader un petit peu, et je vais en nommer certains. Et là, on va commencer à rigoler. Bon, j'en ai marre de faire des allers-retours, du coup, j'ai hack leur apply. Et j'ai tout simplement cassé leur MS sécurité. Et donc, ben, ça m'a permis de pouvoir accéder à leur appel et à crafter les blocs. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là actuellement? Je suis en train de piéger la porte. Du coup, je vais me crafter un screwdriver, ce que je viens de faire. Et je me suis crafté au passage un RS latch. Avec le RS latch, je peux la faire changer d'orientation ou changer ses options, si je me rappelle bien. Voilà, je peux changer ses options et dire où est le out, où est le int. Donc, moi, c'est le int qui m'intéresse, c'est surtout ça. Oh, donc le int est là et je veux que le out et le out sortent par là. Ok, du coup là je devrais commencer à faire. Donc là il y a deux signaux normalement. Hop, redstone ici, tac, tac. Et je mets de ce côté-ci un levier. Donc en fait, à chaque fois que je clique sur ce clavier. Ah non, ça marche pas comme j'espérais. Soit. In. Oui, non, mais ça tout le temps reste actif du coup. Out, sauf que c'est le in que je joue ici. Ok. Et donc là, si je clique un coup dessus, hop, le signal va passer à gauche. Tac, tac, on passe. Et donc, une fois qu'il passera à gauche, le signal, je veux qu'il rentre dans un autonomous et ça va devenir un peu plus compliqué. Du coup, je vais installer le système et je vous reprends. Bon, voilà. Du coup, le système, c'est un autonomous avec un peu d'énergie dedans en mode clic droit. Ah, sauf qu'il va cliquer plusieurs fois et un deuxième clic droit va l'expulser. Comment je peux dire de marcher seulement une seule fois? Il faut que je lui donne un tick et après que ça change. Oh là là, ça va devenir compliqué ça. Moi je veux qu'un seul tick de clic. Alors il faut que je mette juste la quantité nécessaire pour faire un clic. Ah là là, Shunchi, réfléchis. Il faut que le tick ici donne qu'une seule tick et après change et s'inverse. Ah, le système va être compliqué, tout ça pour mettre un peu de musique. Voilà, j'ai fait à peu près tout le système. Alors qu'est-ce que j'ai rajouté? C'est un plus former. Du coup lui il va recevoir un courant et il devrait envoyer qu'un seul tick dedans. On va vite laisser le système s'il fonctionne ou non. Donc si je me mets dessus, non, la musique se lance et c'est bon. Le courant s'est lancé ici, la puce a dû se lancer, sauf que je ne l'ai pas mis dans le bon chemin. Ok, du coup, je dois casser ceci, parce que j'arrive pas à réactualiser le système automatiquement. Je dois le casser pour qu'il se réactualise de lui-même. Ok, et si je me mets cette fois-ci, la puce a dû partir, c'est sûr. J'en suis presque certain même. Voilà, la puce est partie, vous l'avez bien vu, mais elle a rien produit. Peut-être que tout simplement il faut un courant de redstone derrière. Bon, on agrandit encore un petit peu le système et on va s'en sortir. Allez, on réactualise le tout. Et on va essayer de s'en sortir. Allez, dis-moi que ça marche. Le tick est bien parti, tout est allé correctement. Le tick doit être trop bref pour le clic, tout simplement. Ah, le système se complique. Voilà, on a changé de méthode, l'autonomous s'est passé ici, et j'ai mis derrière un creeper trophy. Du coup, le creeper trophy va se mettre à exploser une fois qu'on va marcher sur les deux plaques de pression. Je vais pas vous montrer le test parce que ça fonctionne et que j'ai pas envie de tout dérégler. Du coup,
Voilà, ça fonctionne, on n'y touche plus. Au passage, comme vous avez pu le voir certainement sur la map, il y a plein de petits mimiques, là, mini-mics, qui sont un peu partout. Du coup, ça c'est déjà bien, à ce niveau-là c'est bien. Maintenant, il faut qu'on trouve un petit élément supérieur, parce que là, j'ai pas encore vraiment très troll. Il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus. Avec les conseils de Dimfire, il m'a dit que les blocs placeurs allaient fonctionner comme les autonomous, en plus facile au final. Du coup, si j'ai un marché ici. D'accord, le signal est bien parti, mais ne pas rentrer dedans. Pourquoi? Le signal est bien parti, il ne pose pas les blocs dedans. C'est étrange, il m'aurait donc menti? Oh le salaud. J'ai changé de type de dispenser, peut-être que ça a fonctionné. Là toujours pas, et là ça fonctionne. Ok. Donc si je les connecte un à un, ça devrait le faire. Parfait. Allez, on va passer à l'hydrogène. Tac. Toc, 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 toc. On va mettre plein d'hydrogène partout parce que bah ça mange pas de pain, hein. C'est pas méchant, c'est pas exagéré. C'est facile à enlever, faut juste retirer la source du bas. C'est juste que de loin. Ah, j'ai bouffé déjà tout l'hydrogène. J'ai bouffé tout l'hydrogène. C'est juste que de loin, en sortant de la cellule, bah vous voyez ça et vous êtes en train de vous dire mais what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, ça peut m'inquiéter. Bon, on va tester 2-3 substances. L'acide maléique. Si je le mets là, c'est un acide, il est corrosif et donc peut provoquer des dégâts. Si par exemple je viens pousser ce cheval dedans, il subit pas de dégâts. Et moi non plus. Ah, c'est étonnant. Pour un acide. C'est assez étonnant, effectivement. Ah. Hop là. Bon, bah, on va récupérer l'acide et on va s'en servir pour autre chose. Bon, donc cette fois-ci, j'ai de l'acide sulfurique et de l'hydrogène. Si je mets de l'hydrogène ici, l'hydrogène, bah voilà, c'est une substance comme ça. Et si je mets de l'acide, hop là, je prends feu et je prends des dégâts. Si je rentre dedans, c'est censé exploser. Et je n'explose pas. Ah, il y a un problème avec le mode, hein. Ça, il n'y a rien à dire. Il y a un problème à un niveau où je devrais exploser et que je n'explose pas. Si je bois, je peux pas boire l'hydrogène. Du coup, c'est juste buggé. Tant pis. On va faire 100, c'est pas grave. Et normalement, le phosphore, c'est encore une autre substance. Lui, le phosphore, il est censé mettre le feu au bloc dans les alentours. Pauvre petit cochon. Non mais rentre pas dans l'acide, tu vas te brûler, tu vas te faire du mal pour rien. On va encore dire que je fais de la maltraitance animaux, mais c'est pas ça, c'est juste vous qui êtes stupide. Je vous ai pas demandé de faire ça, moi. Et apparemment, le phosphore ne met pas le feu. Il y a des trucs qui devraient faire des effets qui ne les font pas. Manchem, tu n'es point au point. Et vous avez remarqué, j'ai trois radios dans mon inventaire. Je vais cacher les trois radios dans les trois bâtiments principaux. Donc, on va dire ce bâtiment-là. Et j'ai vu derrière des turbines. Du coup, ça fait trois bâtiments, trois cachettes. Pour les punir de faire autant de bruit, on va faire une coulée d'acide. Non, je veux juste le dropper. Mais je vais pas y arriver. Je vais pas arriver à poser mon bloc. Attends. Ah si. Ah bah si, ça coule. Oh, c'est génial. Bon, ça va tomber là. On va juste mettre à l'abri ces gentils animaux qui n'ont rien fait pour mériter de la violence. Et donc là, ça va faire une pluie d'acide. Et donc du coup, ça va être brûlant. C'est surtout ça qui est drôle. C'est ça qui me plaît en fait. Et puis, c'est pas très dur à enlever, c'est juste une source. Bon. Par contre, c'est plein de petits trolls, mais en gros, ça a pas changé grand-chose à l'environnement. C'est ce qui me déçoit un petit peu. Oh, attendez, attendez. J'ai même pas fait un tir dedans. Non, j'ai fait un tir à côté, ça va. Tant pis pour les roses, c'est pas très important. On réactive l'aimant. Voilà. Histoire qu'ils ne perdent pas de ressources quand même. On va tout mettre dans le tri. Allez, et pour finir, parce que je suis en manque d'idées, on va mettre un petit peu de Resonant Ender sur le bâtiment ici. Alors logiquement, si je me souviens bien, quand on rentre dans le Resonant Ender, on se retrouve téléporté à... Ben, on se retrouve téléporté tout simplement à un autre endroit. Le principe de la téléportation, vous allez me dire. Du coup, là, je viens de la toucher en fait, je pense. Regardez. Hop là, je me fais téléporter. Alors la question c'est si je touche le liquide,
Ouais, ça me téléporte aussi. Aïe, aïe, dans les murs. Ça peut causer la mort si on n'a pas de chance. Du coup, le but, c'est juste de faire chier dans le sens où il va devoir retirer les sources. Hein. Les sources, ce sont pas compliqués à retirer. Hein. Vous posez un bloc, vous mettez un bucket, quoi que ce soit. Vous pouvez y aller. Le problème, c'est que, ah, j'ai mis ce clic et vous vous retrouvez téléporté. C'est vraiment tout con, mais ça peut être sympa. Du coup, je vais essayer de choper leur réaction, mais à mon avis, vous pourrez voir la réaction du côté de Shepard. À voir si s'il fait une vidéo, vu que vous êtes très peu à connaître sa vidéo. Ces vidéos, je vais essayer de m'arranger de telle manière à promouvoir la sienne d'une certaine manière, je sais pas encore comment, en le redirigeant vers. Enfin, en vous redirigeant vers lui, comme ça vous pourrez voir sa réaction à ce moment-là, vu que il sera au courant le matin que je les prank. Et il va commencer à record quand il va arriver sur sa map parce qu'il connaît pas l'étendue des dégâts. Si vous avez des conseils pour les pranks, toujours de préférence des conseils sur les mods. Tant profiter du fait qu'on joue sur un mod pack pour pouvoir utiliser des pranks de modés. Le but c'est de ne pas tuer, de ne pas détruire gratuitement. Là par exemple c'est très facile à retirer hein, ce que j'ai retiré, c'est juste pour le plaisir de le faire que je l'ai fait. Mais je suis en manque d'idées, vraiment en manque d'idées, pas très inspiré. C'est juste qu'à chaque fois que je joue avec Manchem, j'ai un petit peu déçu du résultat. Je m'attends à plus de réactions, plus de trucs en tant que chimiste, et donc ça se passe un peu moins bien. Mais au final, c'est toujours assez sympa. Peut-être une construction à faire, ça je peux encore le faire, même ça, si vous aimez bien, c'est du non modé. Ouais, mais une construction, ça peut toujours être sympa. Et puis je pourrais ajouter une petite touche de modé derrière, dans tous les cas. Donc là, ce serait plus trouver un vrai prank à faire, à qui le faire, comment voulez-vous le faire. Alors, je vous attends dans les commentaires de la vidéo. Et en tout cas, sur ce, moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye! Oh, et puis merde, on va poser les torrettes. Si je me rappelle bien, elles sont sorties. Quoi? Mais bon, vous tirez dessus, j'ai rien demandé. Oh, d'accord, elles se tirent dessus, ça c'est nouveau. On va poser les torrettes, normalement elles sont pas censées se tirer dessus. Elles sont censées. Ah d'accord, c'est quand elles meurent en fait, quand je les ai mal posées, elles décèdent et donc ok. Et donc là, elles sont juste là pour tirer sur Shepard et Garra, qui vont spawn dans le coin normalement. Et donc voilà. L'idée c'est vraiment juste de les déranger un petit peu en faisant que ces tourelles les agressent. Logiquement, elles sont censées les attaquer. Alors je sais pas pourquoi les sentries ici n'ont pas attaqué. Parce que si c'est une sentry turret, elle devrait m'attaquer. Mais elle m'attaque pas. Est-ce qu'il y a des tourelles que j'ai pas compris comment elles fonctionnaient? I am different. Defective turret, donc elle tire n'importe comment celle-là. Je sais pas. Normalement, celle-ci devrait être agressif. Je sais que d'ailleurs, il en a fait au spawn qui sont agressifs, mon petit Gara. Là, je vais me prendre des balles dans le dos. Laisse-moi m'en charger, sinon je vais décéder avant même que je puisse réagir. Ah, ok, il les a déplacés. Bon, bah, on verra bien. Si demain j'apprends que ça a réagi et qu'ils se sont pris full balle dans la figure, bah voilà, ce sera bien. Et je serai content. Et vous aussi. Parce qu'ils vont rager. Et s'ils ragent, bah c'est bien, sans être bien. Mais c'est quand même bien.